Et merci de votre fidélité pour suivre avec moi cette série de quatre vidéos sur sionisme et antisémitisme. Les fois précédentes, on avait analysé pourquoi il n'y avait pas eu un exode juif et qu'est-ce que c'était les juifs et qu'est-ce que le sionisme affirme par rapport à l'exode des Juifs pour justifier l'existence d'Israël. On avait euh, ensuite examiné comment euh, en fait l'existence d'Israël n'est pas due à 40-45, au génocide commis par Hitler contre les Juifs et à euh, cette euh, naissance d'Israël en 48, mais que c'est en réalité... Un plan sioniste, et on a vu pour quelle raison de créer Israël. Ça a été décidé en 1895, et ça s'est appliqué à partir de 1900 de manière très systématique. Et ça, c'est les choses, les événements historiques qui sont cachés et qui empêchent de comprendre la situation. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, on va analyser pourquoi cette affaire de Jérémy Corbyn, donc le leader actuel du Parti Travailliste Labour en Grande-Bretagne, pourquoi on l'accuse d'antisémite, sur quoi ça repose, quels sont les, les véritables objectifs de cette campagne. Et la, la première chose à voir, c'est que si on veut comprendre quand il y a une campagne de ce genre dans nos médias, je crois que la méthode que j'ai proposée de toujours chercher les cinq principes de la propagande de guerre dans la façon dont c'est présenté au public, est une méthode qui permet de comprendre ce qui se passe et d'analyser les campagnes, même si on n'est pas au courant de tous les événements, de tous les faits, c'est impossible de tout suivre, bien entendu. Et les cinq principes de la propagande de guerre, je les rappelle, sont un, cacher les intérêts économiques et autres, 2. cacher l'histoire, 3. diaboliser, 4 inverser la victime et euh, l'agresseur se faire passer pour la victime et cinq monopoliser c'est-à-dire empêcher le débat. Ça, ce sont les cinq principes qui vous permettent d'analyser tout de guerre ou euh, agression ou conflit comme celui-ci et on va si vous voulez bien les appliquer dans le cas de l'affaire Jeremy corbyn. ce qui est intéressant c'est de voir euh, pas tellement ce qu'on nous dit mais surtout ce qu'on nous cache ce dont on ne nous parle pas. En fait, pourquoi euh, y a -t il y a-t-il des intérêts qui veulent absolument la peau de Jeremy Corbyn C'est ça la première question à se poser. C'est un politicien différent de tout ce qu'on a en Angleterre et en Europe pour le moment. Il se caractérise, en fait, il a, disons, commis trois crimes, Corbyn. Son premier crime, c'est d'être contre l'austérité, contre la politique de régression sociale et de toujours prendre plus dans la poche des petits pour donner dans la poche du 1%, qu'on nous présente comme étant il n'y a pas d'alternative, c'est la politique inévitable, sinon euh, les marchés vont nous sanctionner, blablabla. Bla bla. Et lui, il a au contraire expliqué que la privatisation en Angleterre du rail, c'est une catastrophe, les chemins de fer, donc il veut les renationaliser. La privatisation des soins de santé, c'est une catastrophe. Il veut les renationaliser. Et l'énergie aussi. Et quand on voit combien maintenant les multinationales privées de l'énergie nous font payer de plus en plus cher, ce qui aggrave les difficultés quotidiennes des gens, ben, c'est plutôt un bon programme, euh, Corbyn. Voilà un premier point. Et il y a aussi un point par rapport aux banques, c'est qu'il a décidé qu'il veut créer une banque nationale et des banques régionales qui vont non pas spéculer comme les autres l'ont fait et puis après c'est nous qui payons la facture mais qui vont aider des investissements régionaux pour recréer de l'économie et des emplois donc ça c'est et là oui encore un point aussi il est euh, contre la suppression permanente des aides sociales et il est pour donner aux gens un minimum décent pour vivre même s'ils sont victimes de maladies de chômage de retraite etc donc voilà un premier euh, crime de Corbyn, c'est que il s'oppose à toute la politique anti-austérité tellement en vogue actuellement. Un deuxième, c'est que il est aussi, je l'ai rencontré il y a longtemps, c'est quelqu'un qui est vraiment un militant pacifiste anti-guerre. Il est opposé à toutes ces guerres qu'on nous a menées en suivant les États-Unis depuis des années, qui n'ont apporté que des catastrophes et qui coûtent très cher, sauf aux multinationales de l'armement qui en profitent pour nous faire dépenser un argent fou. En Belgique, on veut encore maintenant acheter des bombardiers, alors qu'il n'y a pas d'argent pour les écoles, pour les vieux, pour les retraites, etc. Mais euh, on veut nous faire nous obliger à acheter des bombardiers. Et ça, dans toute une série de pays européens, ça profite à qui Vraiment, là, seulement à quelques marchands de canons. Donc, Corbyn, il est contre ça. Ça, c'est encore un autre crime. Et là, il faut voir qu'en Angleterre, ils ont d'abord eu Margaret Thatcher qui a déclenché le néolibéralisme et toutes sortes de guerres. Puis ils ont eu la version euh, libre, soi-disant gauche du, euh, de Thatcher. C'était Tony Blair qui lui aussi marchait dans toutes les guerres des États-Unis, qui lui aussi euh, prenait aux pauvres pour donner aux riches. Et donc là, on voit bien qui veut la peau de Corbin. Ces gens ne veulent pas céder leurs privilèges, leur pouvoir. Ils sont encore toujours influents dans. Le parti travailliste, où les députés sont pas du tout, ne suivent pas du tout la base. c'est vraiment Beaucoup de ces députés sont, sont une élite, donc c'est eux qui n'ont pas envie de Corbyn. Et puis, le troisième grand crime de Corbyn, c'est qu'il a toujours marqué sa solidarité avec le peuple palestinien. Et ça, on ne le lui pardonne pas. Alors, je disais, les députés, ça on a souvent des articles, les députés contestent Corbyn, ils trouvent que c'est un mauvais leader, etc. En fait, la question est de savoir un bon leader pour qui, évidemment. Si c'est pour défendre les intérêts de l'élite, oui, c'est un mauvais leader, ils veulent comme avant. Mais si c'est pour défendre les intérêts de la population, il faut savoir que Corbyn a été élu avec plus de 60%, tellement la déception de ses prédécesseurs était forte. Et Corbyn a déclenché un grand enthousiasme. Le parti libre travailliste en Angleterre était descendu à 150 000 membres, et avec Corbyn, il est remonté à 400 000 membres, presque 500 000. C'est le plus grand parti en Europe. Et donc, c'est ça que non seulement le lobby sioniste, mais les élites en général craignent, c'est-à-dire un parti populaire qui adopterait certaines mesures contre les, les politiques du, du grand capital du 1%. Est-ce que le programme de Corbyn suffirait à régler les problèmes C'est une autre discussion. Mais en tout cas, ce sont des mesures qui vont donner un encouragement à tous les gens en Europe qui veulent résister à la casse, à la casse sociale. Pardon. Donc, voilà euh, le premier point. J'ai un peu développé, mais c'est important. Toujours chercher les intérêts. Le point de l'histoire. Cacher l'histoire. Cacher de quoi on parle vraiment dans ce problème. On fait comme si le problème, c'est Corbyn est raciste, antisémite et voilà, on ne regarde pas plus loin que le bout de son nez. Le vrai problème, c'est que Corbyn n'est pas d'accord, comme beaucoup de gens, comme la majorité de l'opinion en Europe en fait, avec la politique d'Israël qui historiquement a chassé les Palestiniens de leur terre, leur a volé leur terre, pratique l'apartheid. Donc ça, c'est la toute première chose qu'il faut bien voir, c'est que Israël lui-même est un projet de, de vol de la terre, un projet raciste contre les Palestiniens, et de ça on ne peut absolument jamais parler. Donc, le, le troisième principe de la propagande de guerre, c'est la diabolisation. Et là, il faut toujours se méfier de ce qu'on utilise comme preuve ici de l'antisémitisme de Corbyn. On a été exhumé quelques vieilles déclarations qui étaient ou seraient antisémites de certains des députés travaillistes en précisant pas que certains ont déjà été exclus, que d'autres déclarations doivent être vues hors de leur contexte. <coughs> pardon. Et donc, on a aussi, quand cela n'a pas beaucoup marché, on a été euh, chercher des photos où Corbyn était en Tunisie dans un cimetière et où il rendait hommage à des héros palestiniens. Et cest a dit, regardez, il rend hommage à des terroristes palestiniens qui ont commis l'attentat au Jeu de Munich en 1973, et donc Corbin terroriste, etc. En réalité, il se rendait, il, à l'invitation du gouvernement tunisien, en 2014, il est allé rendre hommage sur les tombes de euh, 47 martyrs palestiniens de l'OLP assassiné par Israël en Tunisie en 1985. L'OLP avait son siège à Tunis en 1985 et Israël, qui est un état agressif et militariste, est allé frapper en Tunisie. C'était vraiment un crime de guerre et Israël a donc tué ses 47 martyrs. Et c'est là que Corbin est allé rendre hommage à ces martyrs et c'était un hommage tout à fait justifié. Ça c'est pour les preuves soi-disant. En fait. <coughs> quel, est, pardon, quel est le but de toute cette offensive C'est soit d'éliminer Corbyn, de l'empêcher de devenir Premier ministre et de ramener un petit politicien qui se mettra à genoux devant les directives du 1% et d'Israël, soit si on n'arrive pas à l'éliminer parce qu'il est trop populaire, de mettre une telle pression qu'il va lui capituler sur la question de la Palestine et arrêter sa solidarité. Donc dans les deux cas... C'est une offensive de diabolisation qui est très grave, qui est extrêmement dangereuse. Je disais le quatrième principe de la propagande de guerre inverser l'agresseur et l'agressé, se faire passer pour la victime. En fait, quand on regarde le travail quotidien d'Israël, qui massacre des manifestants pacifiques, qui emprisonne des enfants, qui torture des prisonniers, qui dit, qui nie tous les droits de la Convention des droits de l'homme concernant les prisonniers et concernant les citoyens palestiniens en général. Quand on voit Israël qui vient d'adopter une loi disant que Israël est l'État des Juifs, c'est-à-dire qu'on a là un État qui se prétend démocratique mais qui ne l'est pas parce qu'il crée deux catégories de citoyens et il ne donne pas les mêmes droits à tous les citoyens. Donc c'est la définition même d'un État de discrimination, d'un État d'apartheid et c'est ça que qu'on essaye de faire caché en présentant ⁇ Oh, le problème, c'est Corbyn qui est antisémite ⁇ Non, le problème, c'est Israël qui est raciste envers les Palestiniens et qui ne veut pas re renoncer à ses privilèges et à cette politique. Le cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, c'est ce que j'appelle monopoliser l'information, empêcher le débat, empêcher que les gens puissent confronter deux versions et se faire leur opinion entre ces deux versions. Et donc l'objectif aussi, au-delà de la personne de Corbyn, c'est en fait d'éliminer tout euh, membre du Labour qui euh, pratiquerait la critique d'Israël. Alors là-dessus, l'arme qui a été utilisée contre Corbyn, c'est ceci, c'est une, une définition pardon, de l'antisémitisme par le, je cite, International Holocaust Remembrance Alliance, c'est donc un lobby qui existe en... Grande-Bretagne, et il a donné une définition du, euh, de l'antisémitisme, du racisme anti-juif, que Corbyn a fini par reprendre, mais le problème est que dans euh, les exemples que donne cette euh, organisation comme exemple de conduite antisémite, il y a le fait de critiquer Israël. Si on critique Israël, c'est qu'on est antisémite. Donc là, on voit bien qu'on est au cœur de la manœuvre de criminaliser les gens qui critiquent Israël raciste en les faisant eux-mêmes passer pour racistes et en criminalisant, ça a aussi été fait en France par Michel Alioumari et d'autres politiciens, on va en fait empêcher la euh, critique d'Israël, ça va devenir un délit tout simplement. Alors, on me dit qu'une question a été posée, euh, oui, ce n'est pas vraiment une question. Euh, C'est la fin des lobbies sionistes. C'est quelque chose, bon, on va plutôt prendre les vraies questions euh, que les commentaires. Mais ça tombe bien quelque part parce que j'étais en train de, de me préparer à parler du lobby en, en Grande-Bretagne. Le, les informations, ça ne tombe pas du ciel. Il faut se rendre compte qu'il y a des intérêts derrière. Et en Grande-Bretagne, on a un lobby, comme aux États-Unis avec l'IPAC, qui est extrêmement connu, comme euh, en France avec le CRIF, en Belgique, il y en a aussi. Et donc, ces lobbies disent défendre les intérêts des Juifs, mais premièrement, une très grande partie de Juifs ne sont absolument pas d'accord avec eux. Et deuxièmement, en fait, ce qu'ils cachent derrière ça, c'est la défense des intérêts d'Israël comme puissance coloniale, comme puissance euh, d'expansion et agressive. Il faut savoir qu'en Angleterre, on a 80% des membres du Parti conservateur qui sont membres d'une association qui défend Israël, du lobby Israël, en fait. 80% des députés conservateurs. Alors là, c'est intéressant de voir pourquoi justement on veut pas de Corbyn. Eh bien, parce que Theresa May, elle, est parfaitement docile et soumise aux intérêts d'Israël. Euh, en 2016, euh, John Kerry, qui était à ce moment-là le ministre des Affaires étrangères de Obama, a fait une déclaration en disant que le gouvernement d'Israël était, je cite, d'extrême droite. Le 28 décembre 2016, d'extrême droite. Je pense, quoi qu'on puisse penser de lui, je ne suis pas forcément d'accord avec lui en général, mais il sait de quoi il parle et il a eu des contacts. Et Theresa May s'est directement précipitée à la défense de Tel Aviv en disant Nous croyons qu'il n'est pas approprié d'attaquer la composition du gouvernement démocratiquement élu d'un allié. Bien. Donc c'est vraiment très docile et on comprend que. Israël préfère avoir Theresa May au gouvernement que Jérémy Corbyn. Mais ce qui est intéressant, c'est que le, la puissance du lobby euh, s'exerce aussi au sein du Parti travailliste. Et donc, il ne faut pas être surpris de voir qu'il y a des députés travaillistes qui ont attaqué Corbyn et qui l'ont prétendu avec des preuves ridicules qu'il était antisémite, parce que donc il y a 80 membres du Parti travailliste qui sont aussi membres de l'association d'amitié avec Israël et de ce lobby. C'est nettement moins que chez les conservateurs, mais c'est quand même très significatif. Et alors là, il y a eu une enquête récente qui a été... Euh, en fait, c'est curieux parce que c'est une émission d'Al Jazeera qui n'est pas diffusée et dont tout le monde parle. Et je vais avoir prochainement l'occasion de revenir sur les révélations très importantes qui sont apportées dans cette euh, émission. En fait... Al Jazeera, ils ont infiltré quelqu'un dans le Israel Project, ils ont infiltré quelqu'un qui s'est présenté comme soutenant le projet du lobby sioniste et qui a obtenu des confidences très très intéressantes où des responsables ont confié à cette personne, et donc il y a des images, il y a des enregistrements, que oui, ils étaient extrêmement actifs dans différents pays pour contrôler des députés, des responsables politiques aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, et pour les faire tomber quand ils pas, quand ils étaient trop résistants par rapport à Israël. Et donc il y a des révélations y compris que l'ambassade dit qu'il y avait un agent des services secrets israéliens, évidemment ce n'est pas une grande surprise qui était dans cette ambassade pour faire ce travail et quon conseille des groupes privés, en Grande-Bretagne pour faire tomber des gens comme Corbyn. Voilà. Euh, c'est très important ce qui se passe ici. La pression du lobby sioniste, l'intervention pour faire tomber des gens qui résistent, c'est une atteinte intolérable à la liberté d'expression. Ça veut dire qu'on ne laisse pas les gens choisir leur opinion sur Israël et la Palestine, les dirigeants politiques qu'ils préfèrent pour résister à la crise, on leur impose et quand quelqu'un résiste, on le salit, on le diabolise. Cette chose-là est importante parce que en Europe, on voit que dans différents pays, il y a un courant qui essaye de résister justement à cette politique antisociale. Vous avez Corbyn en Angleterre, vous avez Mélenchon. En France, vous avez le Parti du Travail de Belgique dans mon pays. Vous avez Die Link qui est en train de chercher une alternative en Allemagne. Donc, clairement, il y a des volontés de résistance. Et je pense que la pression va être très forte pour empêcher qu'on propose aux gens de véritables alternatives économiques et sociales. Et la pression va être très forte pour les diaboliser et les discréditer. Et là, je pense que ces partis de gauche ont une une grande responsabilité si on recule devant la diabolisation par le lobby sioniste, si on recule l'oppression et qu'on abandonne la solidarité avec les Palestiniens, ou si on abandonne la solidarité avec les gens qui critiquent les guerres des États-Unis en Irak, en Yougoslavie, en Libye, en Syrie, eh bien, on ne va pas euh, se faire mieux voir pour autant par le lobby. En reculant, on va finir par capituler complètement. Et donc je pense que... La seule voie qu'on a, c'est une euh, résistance vis-à-vis -vis de ce lobby, de le démasquer avec des, des faits concrets. Et euh, je voudrais... Excusez-moi, mais... <coughs> Pardon, le rhume a frappé, il n'est pas encore parti, tout à fait. Mais je crois que là, on a un travail à mener tous ensemble. Ce n'est pas quelques personnes qui vont pouvoir résister à tout ça. On a un travail à mener tous ensemble pour démasquer la façon dont le lobby sioniste, avec ses alliés, parce qu'il n'est pas tout seul, ça j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai, dont il essaye d'empêcher euh, la libre expression et le libre débat. Je crois qu'on doit absolument euh, travailler ensemble là-dessus, et je regarde s'il n'y a pas eu d'autres questions qui sont venues depuis. Euh... Alors, quelqu'un ne font-ils pas un hommage à Meir Dagan du groupe terroriste nommé Irgun qui ont fait exploser le King David Hotel Oui, c'est une très bonne remarque. Et il faut savoir qu'on accuse beaucoup les Palestiniens d'être des terroristes. Mais en fait, tout Israël a été fondé à coup d'attentat. Il y a un livre d'un Britannique que nous allons, qui s'appelle Tom Suarez, qui s'appelle euh, Comment euh, le terrorisme a créé Israël, et que nous avons traduit et que nous allons diffuser en janvier ou en février 19. Et c'est un livre très documenté sur base des archives britanniques, des archives des sionistes eux-mêmes, euh, qui montre qu'effectivement, des gens qui, par après, sont devenus premiers ministres en Israël et sont actuellement toujours célébrés, ont commis toute une série d'attentats. Contre les Palestiniens, contre les Britanniques, etc. Euh, je regarde une autre question qui nous est venue. L'antisémitisme devient l'arme fatale des sionistes Oui, c'est quelque chose que j'ai déjà indiqué précédemment c'est que les sionistes n'ont pas d'argument. Quand vous discutez sur l'histoire et sur les faits, c'est absolument évident. Pour donner un exemple, dans le livre Israël Parlons-en, dont j'avais parlé la fois passée, il y a un chapitre euh, 4 qui analyse le nettoyage ethnique fait en 1948 par Israël. Ça a été longtemps nié, les dirigeants sionistes ont dit que les Palestiniens étaient partis d'eux-mêmes pour aller dans d'autres pays, des trucs comme ça. Mais en réalité, le chapitre 4, j'ai publié tout simplement une interview de Benny Morris, qui est un historien sioniste. Euh, israélien qui a expliqué en long et en large que oui, les Israéliens avaient chassé les Palestiniens. Il a publié, c'est un historien très célèbre, il a publié euh, les noms, les documents, des photos de toutes les villes et villages dont les Palestiniens avaient été chassés et qui avaient été détruits. Et c'est un partisan total d'Israël, donc c'est totalement irréfutable. Donc ils n'ont pas de faits. Pour débattre, et leur seul, leur seul argument, c'est de dire que vous êtes raciste et antisémite. Il euh, y a une question qui parle du documentaire d'Al Jazeera sur le lobby israélien. Oui, je venais justement d'en parler. Et je vais conclure en vous lançant un appel vraiment pour rejoindre la bataille populaire pour la vérité, pour le droit à l'expression et contre le lobby sioniste qui veut empêcher tout ça. Je vais faire une conférence à Paris le 12 octobre prochain et je vous montre une partie de l'affiche. L'affiche indique que c'est donc à l'espace Maïmana à Saint-Ouen. On va commencer plutôt que 19h30 parce qu'avant le débat, il y aura un excellent film sur la Palestine qui va être projeté. Donc on peut venir à partir de 18h30. Et le programme, le titre du débat est Vaincre le colonialisme israélien, est-ce possible Je crois qu'il est très important de débattre de ça contre le découragement qu'on essaye de répandre. Et donc, je serai en compagnie de Sarah-Claude Katz, l'Union juive française pour la paix, de Walid Atala, le président de l'Association des Palestiniens d'Île-de-France, pour un débat. Si vous voulez euh, vous. Euh, tenir au courant, inscrivez-vous à notre newsletter d'investigation, qui est la meilleure manière de vous, mettre, de vous tenir au courant d'être averti d'un débat. La newsletter et le site sont plus sûrs à l'avenir que les résultats. Voilà, là j'avais passé rapidement le lien du site pour vous inscrire à la newsletter. Je vais euh, conclure cette euh, émission d'aujourd'hui. Il y en aura encore une dernière la semaine prochaine, justement tournée vers les possibilités d'action. Je vais euh, conclure cette émission en vous donnant une euh, définition euh, un peu humoristique, la nouvelle définition en fait de euh, l'antisémite. Avant, un antisémite, c'était quelqu'un qui n'aimait pas les juifs. Aujourd'hui, un antisémite, c'est quelqu'un que le lobby sioniste n'aime pas. Voilà. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine.